Là, on est dans une autre pièce. Moi, je pense que c'est une école pour les handicapés, tu sais. Un centre handicapé, quelque chose comme ça, oui. Alors. Là, bon, on va continuer. Ici, comme à chaque urbex qu'on vous montre, des chiottes. Et ici, une pièce sombre, j'attends la lumière. J'attends la lumière de mon collègue. Et on arrive dans les coins des Batman. C'est après. Pourquoi on l'appelle Parce que tu comprendras. Il y a deux chauves-souris qui traînent dans la maison, si elles sont là aujourd'hui. Alors, il y a encore des meubles, des chaises, un vieux fauteuil roulant. Celui-là, effectivement, le fauteuil est utilisé. On va les photos après. Pardon. Tu vas avec ta lumière en premier? Non, mais attends, je peux plus. C'est un petit peu partout. Là donc, on est dans un petit. Dans un petit cagibi, donc encore avec un meuble. Et regardez, pour vous dire qu'elle est vieille cette maison, des disquettes Amstrad. Il est vide. C'était pas ici, hein. Si, 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 c'était au-dessus. La carte. Non, il suffit d'arriver à prendre une fiche et puis vous savez ce que c'est. 85 francs. Date 2004. C'est quoi? C'est des fiches ou quoi? De liaison, non? Prends l'autre côté, c'est quoi? Allez, je vous reprends après. Si tu mets ton téléphone. Là, ici, une Batman. Ouais, elles sont toutes mignonnes. Il y en a une deuxième, mais je ne sais pas où elle est. Oh, elle est toute mignonne. Bon. Voilà, elle est là, la Batman. Petite souris. Voilà. Attends, il fait votre nom. C'est la deuxième, troisième fois que je. Donc, on fait deux pièces et après on descendra la cave. Donc là, vous pouvez voir un lit. C'est assez sombre, hein. Je suis désolé. La lumière arrive. Voilà. Il vient vers moi. Avec moi, dans le miroir. Salut les gars. Là, une autre pièce, une immense pièce. Avec Monsieur Pedro Lito dans son fauteuil. Voilà. Je vais faire un truc. Tu prends une photo, quoi. Non, je vais pas prendre une photo. Je vais faire un machin. Si c'est possible, si tu enlèves. T'éteins ta lumière, s'il te plaît. Je vais faire un truc. Bon, on reprend après. Ouais, on fait la suite. Quoi? Le grenier? Le grenier. Il y a la cave ensuite en bas. C'est des bouquins de quoi ça? Quelques bouquins. C'est même pas des bouquins. Des vieilles chaises. Mais c'est des bouquins assez cool ça. C'est des bouquins. Intimité. Et là, on descend la cave, je vous reprends. Attends. Dans le parc des gamins. Ouais, il y a le parc des gamins. Hein? Il y a le parc des gamins. Il y a un jeu. Ah, des tuiles, hein. Si vous savez ce que c'est que des tuiles. C'est des tuiles. Ouais. Il y a beaucoup de tuiles.
truc en fonte. Et mais ça, ça va dehors, ça. Ah, oui. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé avec ça ou c'est fermé c'est fermé partout. C'est fermé partout. Là, c'était la chaufferie ici. Ouais. En fonte. C'était fermé aussi. Il est mort celui-là. Ouais. Celui-là, tu te le prends dans le. Tu te le prends dans le cul celui-là. Tu te fais mal, hein. Il te fait mal, hein. Non, non, il n'y a pas d'intérêt. Désolé, je suis la lampe. Donc là, ici, vous avez les cuves à fuel. Je vais éclairer. Et là, c'est éclairé. Donc c'est des restes de meubles. Comme vous pouvez voir. Il y a une porte ici avant. Vous pouvez voir hein, des restes de mobilier. Oh, qu'est-ce que tu fais toi ? Bon, ma l'urbex là est fini. Bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao les loulous. Je l'aurai. Mais non, elle est dans une maison. Mais c'est lui qui est chez nous. Ah ouais, salut, je la vois. Hop là. Quoi ? Voilà. C'est la lumière qui la gêne en fait. Ouais, c'est la lumière qui la gêne. Ouais. Elle était, je pense qu'il y a la deuxième pas loin aussi. Elle était en train de dormir. Hein.